Bon, au départ, tu sais, pour l'acte 1, j'approchais pas trop, quoi. Je me disais, ouais, c'est quoi ces gens, ils font chier, ils me bloquent pour aller chercher mon gamin. Et tout, tu vois. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une première prise de conscience quelque part, quoi, de la part de beaucoup de gens. Et voilà, et que ça allait au-delà de se battre pour que le gasoil il soit moins cher, quoi, tu vois. Là, maintenant, ça va au-delà du pouvoir d'achat, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui pensent et qui réfléchissent, qui ont des idées et des solutions, qui se sont, si je puis dire, incrustés dans le mouvement, et ils ont bien eu raison. Voilà, parce que BFM TV, France Télévisions, LCI, tout ça, eux, ils vont aller, tu vois, ils vont aller dans le rond-point, ils vont te filmer le soulard, l'idiot du village, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, quoi. Ou le facho du village, ou le connard du village, quoi, tu vois, ils vont pas aller filmer le mec qui pense qu'il y a des vraies revendications, tout ça, quelle que soit son échelle sociale, tout ça. Et tu vois, bon, donc, moi, ce qui m'a fait mettre dans le mouvement, parce qu'au début, j'étais contre, sachant pertinemment qu'il y avait cette manipulation dès la base, quoi, même avant, même plusieurs années avant que ce mouvement commence. Sauf que ça a pris la forme des gilets jaunes, ça aurait pu prendre une toute autre forme. Mais là, voilà quoi. Bon, si y en a qui ne me croient pas parmi vous, il vous suffit de regarder les vidéos de Jacques Attali, toutes ces interviews, machin, où on parle. Voilà, et parfois même, il était assez visionnaire dans le sens où il parlait déjà dans les années 70-80 de choses qui se passent maintenant, qui s'avèrent vraies et qui étaient de la science-fiction. Si vous regardez sur mon mur Facebook, j'ai mis une vidéo où il y a Jacques Attali, qui a encore des cheveux noirs, hein, avec les frères Bogdanov, en train de parler de. Ah, la géo-ingénierie, là, le. Ah merde! Ah purée, j'ai oublié le. Pas l'eugénisme non plus, là. Ah purée! Tu sais, quand tu te mets des parties robotisées. J'ai oublié le nom du truc, quoi. Je l'ai oublié de la langue, comme on dit.